chronique. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans l'Afterlap, le podcast du Sport Auto. Laurent-Frédéric Bollet, ravi de vous retrouver avec un épisode aujourd'hui qui va être consacré à Indianapolis. Eh bien oui, parce que donc l'édition 2020 est certes toujours prévue pour le mois d'août, mais elle n'a donc pas eu lieu à sa date classique de fin mai. C'est la première fois dans l'histoire d'ailleurs que Indianapolis n'aura pas lieu à la date traditionnelle de fin mai. Bah, je voulais profiter de l'occasion pour vous raconter une édition du passé d'Indianapolis qui, moi, m'a marqué d'ailleurs d'une certaine façon. Je reprends ma casquette de raconteur de grandes courses du passé du sport automobile et donc j'aborde pour la première fois Indianapolis, l'Indy 500 et en l'occurrence l'année 1989. Pourquoi je l'ai choisi? Eh bien, d'une part, parce que son scénario a été assez génial et la fin de cette course absolument fabuleuse. Donc je vais vous expliquer ça tout de suite. Mais aussi, c'est la première fois que j'ai pu voir Indianapolis à la télévision. C'était vraiment les débuts du câble en France. Et je crois que la chaîne de télévision s'appelait TV Sport. Si mes souvenirs sont bons, en tout cas, Indianapolis était en direct. Voilà pourquoi j'ai choisi cette édition 1989 qui s'est déroulée le 28 mai 1989, très précisément. C'était la 73e édition de l'Indy 500. Alors à l'époque, c'était la troisième manche du championnat kart. C'était bien le kart à l'époque. La première manche s'était déroulée à Phoenix. Rick Mears l'avait emporté. La deuxième manche avait eu lieu à Long Beach. C'est Alan Zer Jr. qui s'était imposé. Donc voilà des noms emblématiques. Je vais vous décrire évidemment les engagés dans quelques instants. Mais voilà, on est vraiment dans cette période des années 80 avec des grands noms mythiques. Il faut savoir que le champion kart en titre, c'est Danny Sullivan qui porte donc le numéro 1. Et le vainqueur de l'Indy 500 en titre, c'est Rick Mears qui avait donc en 88 gagné ses 3e Indianapolis 500 après 1979 et 1984. C'est vraiment les années 80, l'époque où Rick Mears c'est le patron quand même de la monoplace aux États-Unis avec l'équipe Penske. C'est un peu Schumacher-Ferrari dans les années 2000, franchement. C'est eux les têtes d'affiche et ce sont eux qui dictent un petit peu leur loi a priori sur le championnat. Il faut savoir qu'il y a eu un resurfaçage de tout le circuit, de toute la piste durant l'été 1980. Ce qui fait qu'on va très vite constater que les vitesses sont bien plus élevées en 89, donc ça va rajouter vraiment à la dimension un petit peu dramatique de cette année puisque ça va beaucoup plus vite et il va donc y avoir des sensations de vitesse assez incroyables. Au niveau des engagés, les grandes équipes, on les connaît à l'époque, c'est le team Penske forcément incontournable. Alors il y a trois voitures pour le team Penske pour cette 73e édition d'Indianapolis. Il y a les deux pilotes réguliers du championnat, Danny Sullivan et Rick Mears, mais en plus ils sont secondé par Alan Zer Senior. Donc là, c'est vraiment la Dream Team, Alan Zer Senior, qui est aux couleurs Marlboro. Et ces couleurs Marlboro, on les retrouve aussi au sein de l'équipe Patrick Racing avec Emerson Fittipaldi, qui est le pilote de l'équipe. Alors c'est un peu une superstar, forcément, Emerson Fittipaldi, qui est double champion du monde de Formule 1, faut-il vous le rappeler. Il est depuis l'année 1984 en kart. Il a 42 ans à l'époque, Emerson Fittipaldi, et depuis donc 84, où il s'est reconverti aux États-Unis, il a déjà gagné 6 victoires, 6 courses en kart. Alors c'est pas si énorme que cela, mais forcément Emerson Fittipaldi est une des têtes d'affiche de cette Indianapolis 500. Autre grande équipe, Newman Haas. Alors là c'est assez simple, c'est l'équipe Andretti on va dire, avec Mario Andretti et son fils Michael qui sont les deux pilotes de l'équipe. Mario Andretti a 49 ans déjà à l'époque. Il y a aussi le Gales Racing avec Alan Zer Jr. cette fois-ci qui est le pilote titulaire. Dans l'équipe True Sports, vous avez Scott Pruett qui fait ses débuts cette année-là, qui est rookie et qui remplace Bobby Rahal, ancien champion, ancien vainqueur d'Indianapolis, Bobby Rahal qui dans l'intersaison a trouvé refuge chez le Krakow Racing. Donc là, il y a eu un changement au niveau du marché des pilotes assez important. Vous avez l'équipe Dixa
Simon Racing, qui est une équipe aussi importante en kartes, avec trois pilotes pour cette Indianapolis, Harry Leuendijk, Scott Brayton et Randy Lewis. Vous avez l'équipe Porsche, qui est officiellement engagée, le Porsche North America, qui concourt en kartes avec Théo Fabi, ex-pilote de Formule 1, qui est là. Vous avez le Doug Shearson Racing, avec Raoul Bezel, là aussi ex-pilote de Formule 1. AJ Foyt, bien évidemment, à son équipe, le AJ Foyt Enterprises, avec deux pilotes, AJ Foyt bien sûr lui-même, et Rich Vogler. Vous avez Arciro Racing avec Didier Tess, le pilote belge. Et puis, si je vous en cite deux autres, vous avez l'équipe Vince Granatelli Racing avec Tom Sneva, ancien champion et vainqueur d'Indianapolis, et John Andretti. Donc, il y aura bien trois Andretti au départ. Pour vous en citer une dernière, Emil Garn Racing avec Gordon John Cox. C'est pas n'importe qui, évidemment. Gordon John Cox, grand nom du sport automobile américain. Il sera là également. Globalement, pour résumer, vous avez trois types de châssis en carte à cette époque-là. Vous avez les châssis Lola, les châssis March et les châssis Penske. Alors c'est assez étonnant puisque par exemple Penske bien évidemment est avec ses propres châssis Penske, mais c'est aussi le cas de l'équipe Patrick Racing, hein, Emerson Fittipaldi, avec d'ailleurs un Chip Ganassi qui arrive dans l'équipe et qui vient seconder Pat Patrick, le patron, et dont on a bien compris que peut-être après c'est Chip Ganassi qui prendrait le pouvoir. Donc c'est une année aussi charnière à ce niveau-là pour un grand nom du sport automobile comme Chip Ganassi. Et bien chez le Patrick Racing, donc c'est un châssis Penske également. Et puis vous avez 5 types de moteurs, les moteurs Chevrolet, les moteurs Judd, les moteurs Cosworth, les moteurs Porsche donc avec l'engagement de Porsche, et les moteurs Buick également sont de la partie. Comme souvent Indianapolis, c'est une course évidemment emblématique qui se déroule le jour J mais qui est précédée par 3 semaines globalement d'essais et de montée en puissance sur l'ovale durant tout le mois de mai. Et là il s'en est passé comme on peut s'en douter plein de choses comme chaque année. Donc si on commence le lundi 8 mai, eh bien, Rick Mears frappe fort et déjà affiche ses prétentions puisqu'il tourne dans un tour à 225-733 miles par heure. Donc, je ne vous fais pas la conversion à chaque fois. Vous savez que c'est globalement beaucoup plus que 350 km/h. Mais comme ces vitesses, elles sont emblématiques aux États-Unis et exprimées en MPH, miles par heure, donc je vais garder cette unité en quelque sorte. Donc, Rick Mears, 225-733 MPH, eh bien, c'est la première fois, figurez-vous, qu'à Indianapolis, un pilote va plus vite que 225 miles par heure. Donc un événement quand même historique qui a eu lieu ce lundi 8 mai 1989. Autre fait marquant, 3 jours plus tard, le jeudi 11 mai, accident et pas anodin du tout pour Danny Sullivan, champion donc kart en titre, qui se casse carrément le bras droit. Donc ça n'est pas rien, et à partir de ce moment-là, évidemment, c'est une sorte de course contre la montre qui a commencé. Est-ce que Danny Sullivan sera bien au départ d'Indianapolis 500 1989? A priori, oui, il devrait juste avoir le temps pour sa convalescence, mais en tout cas, c'est limite, et on n'avait pas besoin de ça pour Danny Sullivan et chez Penske. Le lendemain, le vendredi 12 mai, Rick Mears remet ça, 226-231. Voilà son tour le plus rapide. C'est le record absolu du circuit qu'il améliore par rapport à sa marque de 4 jours avant. Mais en tout cas, voilà, ça ne cesse de progresser. Et donc, Rick Mears est en train pratiquement tous les jours de réécrire l'histoire. Et puis, on se retrouve directement le samedi 13 mai. C'est le jour dévolu au pole day pour savoir quel sera le pilote en pole et quelles seront les premières lignes sur la grille du départ. Oui, sauf que non, puisqu'il pleut des cordes à Indianapolis en ce 13 mai 1989, donc le pole day est reporté au lendemain. Donc on se retrouve le dimanche 14 mai, et là les conditions météo sont bonnes, donc le pole day a bien lieu, et c'est pas une surprise, c'est assez logique, c'est Rick Mears donc qui signe la pole, on le sait déjà. Alors sa moyenne sur les 4 tours est de 223-885, et son meilleur tour a été signé en 224-254, donc on est un petit peu moins rapide que ces fabuleuses moyenne enregistrée quelques jours auparavant, mais enfin ça reste très très solide et donc ça ne surprend personne. Rick Mears signe sa 5e pole à Indianapolis, et oui, après celle de 79, 10 ans auparavant, 82, 86, 88, donc 5e pole pour Rick Mears, et donc la 2e consécutive. Rick Mears, le tenant du titre, plus que jamais favori à sa propre succession. Le jeudi 18 mai, c'est pas fini les essais sur le Brickyard, et bien la bonne nouvelle pour Danny Sullivan, c'est qu'il est de retour en piste, donc au niveau de son bras, il n'a plus son plâtre, il peut piloter, mais il faudra quand même qu'il se qualifie pour la course, et c'est ce qu'il va faire 2 jours plus tard, le samedi
20 mai. Effectivement, donc, Danny Sullivan, on est rassuré, se qualifie, lui, l'ancien vainqueur et le champion en titre. Il sera sur la 9e ligne de la grille de départ. Et puis, la dernière péripétie, elle a lieu le dimanche 21 mai, donc une semaine avant la grande course, avec, c'est un peu triste, la non-qualification de Johnny Rutherford, qui tentait de se qualifier une nouvelle fois pour Indianapolis. On rappelle qu'il a quand même gagné 3 fois la course, en 74, 76 et 80. Eh bien non, ça n'est pas le cas. Johnny Rutherford ne se qualifie pas pour Indianapolis. Donc on résume le bilan des qualifs et juste avant la course. Eh bien, 5e pole donc pour Rick Mears, qui est le grand favori de la course forcément. Alan Zer et Emerson Fittipaldi seront à ses côtés en première ligne. Donc deux Penske aux deux premières places et Emerson Fittipaldi qui se montre et qui est bien là où on l'attend. Il y aura 8 anciens vainqueurs au départ. Alors Rick Mears, Alan Zer, Mario Andretti, Bobby Rahal, E.G. Foyt, Tom Sneva, Gordon Johncock et Danny Sullivan. Il y a 4 rookies au départ, Scott Pruett, Didier Tess, Bernard Jourdain et John Jones, qui est canadien. Et ça fait en tout 10 nationalités qui sont représentées, donc américaines bien sûr. Les Brésiliens sont là, un Anglais, un Italien, néerlandais avec Harry Leyendijk, 2 Canadiens, un Belge, un Mexicain, un Irlandais, c'est Derek Daly, et un Finlandais, mais oui, figurez-vous, on ne le connaît peut-être plus beaucoup, mais Tero Palmroth est un pilote finlandais qui est en carte cette année-là et qui s'est qualifié à l'intérieur de la 6e ligne. Il y a donc un Anglais, je vous en parlais, Jim Crawford, qui a terminé 6e à Indianapolis l'année précédente en 1988 et qui s'est formidablement qualifié à l'intérieur de la 2e ligne, donc en 4e position. Alors je ne vous fais pas toute la grille, mais sachez que donc la première ligne c'est Mears, Unser et Fittipaldi, la 2e c'est Crawford, Mario Andretti et Scott Brighton, la 3e Bobby Rahal, Alan Unser Jr. et Raoul Buzel, la 4e E.G. Foyt, Randy Lewis, un Américain, John Andretti, et la 5e, on va s'arrêter là, Theo Fabi, Gary Bettenhausen et Harry Leyendijk. Les relatives déceptions c'est Michael Andretti seulement sur l'extérieur de la 7e ligne, Gordon Johncock au milieu de la 8e ligne avec Tom Sneva qui est lui aussi à l'intérieur de la 8e ligne, Danny Sullivan en a parlé seulement sur la 9e ligne et la dernière ligne par exemple c'est David Jones, Pancho Carter et Rich Vogler. Les festivités ont lieu avant course comme d'habitude et le gentleman start your engines comme c'est de coutume à l'époque est prononcé par Marie Fendrich Ullmann qui a 84 ans à l'époque, donc vous le savez c'est la femme, la veuve de Tony Ullmann qui lui est décédé en 1977. Tony Ullmann c'est l'homme qui avait racheté le Speedway en 1945 et qui en était donc le propriétaire. La course va donc pouvoir démarrer à l'heure dite avec des bonnes conditions météo. Et il y a déjà un fait marquant dès le tour de chauffe avec une voiture qui se met sur le bas-côté. Et ben oui, c'est Gary Bettenhausen. Alors c'est pas n'importe qui quand même, Gary Bettenhausen, c'est vraiment un vétéran, 47 ans et 21e participation. Il démarrait de l'intérieur du milieu de la 5e ligne et Gary Bettenhausen se range, abandon, problème mécanique, donc ils ne sont en fait que 32 véritablement au moment du départ. Le drapeau vert est agité et tout de suite on se rend compte d'un départ en mode fusée, c'est assez impressionnant. Si vous regardez les images, vous voyez que Emerson Fittipaldi dès le virage numéro 1 prend la tête d'une manière assez autoritaire et tout de suite creuse un écart de plusieurs dizaines de mètres. Il est le leader après le premier tour et franchement c'est un premier tour qui mérite d'être dans les livres d'histoire tellement il est impressionnant. On va passer directement au 4e tour où là il y a un événement très important puisqu'il y a un terrible accident pour Kevin Coghlan. D'ailleurs je vous laisse écouter la réaction à ce moment-là de la télévision américaine qui est évidemment en direct pour retransmettre Indianapolis. And an accident, the 11 car, that's Kevin Coghlan up on its side in the pit area. A serious accident in the pit area, but look at Coghlan, the car cut in half. The car in half, but Kevin Coghlan climbs out. This accident occurring up at the head of the pit area. The crews are there, no fire. And once again, a tribute to the safety of these cars. Kevin Coghlan climbs out of his broken and split machine. Voilà, accident pour Kevin Coghlan,
qui s'est crashé à l'entrée en fait de la pit lane. C'est-à-dire qu'il a rebondi sur le mur et il est allé ensuite s'encastrer sur l'entrée de la pit lane et sa voiture est vraiment coupée en deux. C'est une image absolument terrible. Il faut bien en avoir conscience que là on a tous frémi et quand on voit Kevin Cogan qui sort de sa voiture et qui court tout de suite, c'est vrai qu'on n'en croit pas ses yeux. Un accident vraiment effroyable. Alors Kevin Cogan, pour vous en parler un petit peu, il a 33 ans à l'époque et c'est un pilote un petit peu controversé, californien, qui est responsable d'un micmac au départ de Indianapolis en 82, donc 7 ans auparavant, puisque en fait il s'est loupé au départ, il a foutu en l'air, si je puis me permettre, Mario Andretti et Jay Foyt. Donc quand vous avez un jeune pilote qui part en toupie et qui met hors course avant même le départ de la course des légendes comme Mario Andretti ou Jay Foyt, oui, vous comprenez bien que ça s'était pas très bien passé cette histoire et Kevin Cogan avait été vraiment critiqué pour cela. C'est un ancien pilote qui a essayé aussi de percer en Formule 1, qui n'y est pas complètement parvenu. Bref, voilà, un pilote un petit peu sur la sellette mais qui fait partie du jeu. Mais en tout cas, là, évidemment, personne ne lui souhaitait de se crasher comme ça et on est évidemment content qu'il soit indemne. Mais enfin, c'est une des images choc, hein, véritablement, et un des grands crashs de l'histoire d'Indianapolis que celui de Kevin Cogan en 1989. À ce moment-là, donc, en tout cas, c'est toujours Emerson Fittipaldi qui domine les débats de manière assez évidente. On passe au 42e tour sur les donc 200 au programme, vous le savez. Alors, 42e tour, c'est très important. Abandon pour Danny Sullivan. Et oui, le champion en titre, pilote Penske, Danny Sullivan doit renoncer sur problème mécanique. Donc là, évidemment, c'est un coup dur pour l'équipe et un coup de théâtre qu'on n'attendait pas. Et il y a d'autres abandons prestigieux qui vont se succéder. C'est vraiment un petit peu un jeu de massacre qui commence. 56e tour, abandon pour Tom Sneva. Incendie au stand. Mais là aussi, c'est un ancien vainqueur. C'est pas n'importe qui. 59e tour, 3 tours plus tard, abandon pour Bobby Rahal cette fois-ci. Problème mécanique. Et puis 69e tour, abandon pour Alonzer. La légende aussi, Alonzer, qui lui a un problème d'embrayage. Ça fait déjà deux pilotes Penske au tapis. Il y en a plus qu'un, c'est Rick Mears. Mais Rick Mears, depuis le début de la course, il est clairement dominé par Emerson Fittipaldi. Ça commence à sentir très mauvais pour l'équipe Penske. 88e tour, ça y est, enfin, un rival se positionne vraiment face à Emerson Fittipaldi, c'est Michael Andretti qui est le nouveau leader. Donc à ce moment-là, il y a une vraie bataille pour la première place entre Michael Andretti et Emerson Fittipaldi, et on comprend bien que derrière, c'est Alonzer Jr. qui montre le bout de son nez, et on comprend à ce moment-là, globalement, que la lutte pour la victoire devrait opposer ces trois pilotes qui sont les plus solides depuis le départ, et donc cette bataille, a priori, ne concernerait pas Rick Mears, et d'ailleurs, la preuve, eh bien, c'est qu'au 114e tour, abandon pour Rick Mears, là aussi, incroyable mais vrai, problème moteur pour le tenant du titre, la star du kart à ce moment-là. Le bilan, il est simple, il n'y a plus de Penske dans la course. Allez, on va passer directement au 154e tour. La situation se tend avec Michael Andretti qui reprend la tête. Globalement, en fait, c'est simple, hein. Entre Michael Andretti et Emerson Fittipaldi, ces deux pilotes ont été en tête tout le temps à partir du 37e tour. C'est vraiment une bataille à deux, avec Alonzer Jr. derrière, donc en embuscade, je vous l'ai dit. Sauf qu'au 164e tour, 10 tours donc plus tard, après que Michael Andretti a repris la tête, et vous savez que depuis 69, la victoire de son père, il y a un petit peu une malédiction quand même qui semble planer pour les Andretti à Indianapolis, et bien c'est encore le cas, puisque donc Michael Andretti doit renoncer à son tour au 164e passage. Abandon suite à un problème moteur. Une nouvelle fois, la malédiction continue et pour les Andretti et pour Michael Andretti, qui a le triste record, tout le monde le sait, d'avoir mené le plus grand nombre de tours à Indianapolis sans l'avoir jamais emporté. Bien, ça n'a pas été le cas aussi en 89, bien sûr. Et il a mené 35 tours dans cette édition-là, ce qui fait qu'à ce moment-là, au 164e tour, et alors qu'il reste encore un arrêt au stand à observer pour tout le monde, Fittipaldi est donc en tête, Unser Junior est deuxième, et le troisième qui est Raoul Bezzel, qui tient bien sa troisième place, figurez-vous, est déjà à 6 tours. Incroyable mais vrai, il y a vraiment les deux premiers, et puis il y a le reste, la victoire devrait se jouer entre Fittipaldi et Unser Junior. La dernière grande péripétie au niveau du déroulement de la course survient au 181e tour avec un dernier drapeau jaune, enfin ce qu'on espère être un dernier drapeau jaune, avec le Finlandais Palmrod qui a perdu une roue, caution, neutralisation.
Tout le monde rentre au stand et Fittipaldi a un petit souci, il manque de caler au stand et c'est Alan Surge Jr. qui ressort leader. Alan Surge Jr. Se positionne de plus en plus pour peut-être mettre tout le monde d'accord et aller gagner la course et donc remporter ses premières 500 miles d'Indianapolis. Et c'est à ce moment-là que la télévision américaine commence à faire une bonne dramaturgie comme ils savent faire. C'est-à-dire que ça y est, on commence à avoir en incrustation les visages des deux femmes respectives de nos deux champions. Alors vous avez d'un côté Shelly Unser et de l'autre Teresa Fittipaldi, alors que les images sont assez frappantes. Elle ne manque pas de démonstration. Hein. On prie le ciel, on croise les doigts, on crie avec l'entourage. Enfin, elles vivent ça à 200% et les deux femmes sont aussi motivées que leur mari pour aller gagner Indianapolis. Le restart a lieu au 186e tour. On est parti pour l'emballage final, les 14 derniers tours. Qui va gagner ? La bataille Fittipaldi-Unser Jr. bat son plein. Et au 196e tour, alors que Fittipaldi globalement contrôlait la situation, eh bien, imperceptiblement, mais dixième après dixième, Unser Jr. est revenu au contact de Fittipaldi. Et au 196e tour, Unser Jr. prend la tête. Et on peut penser à ce moment-là qu'effectivement, il a fait le plus dur, car tout de suite, il arrive à creuser un petit écart d'environ 100 mètres. Et comme il ne reste plus que 3 tours, globalement, bah là, on peut avoir le sentiment que Fittipaldi a laissé passer sa chance et que c'est Alan Surge Jr. effectivement qui va gagner. Sauf que on s'aperçoit qu'il y a du trafic devant Alan Surge Jr. Et on pressent qu'effectivement, ça va être un petit peu embêtant pour lui, car il y a 4 voitures qui se présente à lui. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, quand on voit les images, c'est assez flagrant, les pilotes n'hésitent pas à mordre à l'intérieur de la ligne blanche hein, qui délimite l'intérieur du circuit, c'est assez flagrant. Mais sauf qu'au 198e tour, dans la ligne droite opposée, Alonso Junior se retrouve vraiment coincé derrière le trafic et là, il n'y va pas complètement. Il marque un petit temps d'arrêt, ce qui permet à Emerson Fittipaldi de se mettre derrière lui et de surtout tout de suite déboîter vers la gauche. Et là, effectivement, on peut penser qu'Alonso Junior a raté son occasion et que Fittipaldi a été très décidé dans sa manœuvre et qu'il revient à la hauteur d'Alonso Junior. Donc la situation est absolument fabuleuse. Vous avez les deux voitures quasiment côte à côte à l'amorce du virage numéro 3. Fittipaldi à l'intérieur et qui mord complètement à l'intérieur, Unser Jr. qui essaie de résister au milieu, et puis une voiture donc du trafic qui est à l'extérieur. Donc là, on est vraiment à la fin du 198e tour, et... Side by side, going into turn 3, Ammo down low, in the middle of the track, and Ammo may have it, they almost touch it, oh, good touch. And into the wall is Al Jr. Ammo continues on. La télévision américaine en direct, eh bien, ce qui devait peut-être arriver est arrivé, vous l'avez compris, les deux hommes se sont touchés. Accrochage entre Fittipaldi et Alan Surge Jr. et la conséquence, elle est immédiate. Alan Surge Jr. part en toupie et va taper le mur, là où Fittipaldi réussit à contrôler Sapensky et conserve sa trajectoire. Au 199e tour, eh bien, forcément, neutralisation. Et comme on sait qu'évidemment, il ne reste plus qu'un tour, eh bien, la course va se terminer sous drapeau jaune. Et c'est donc bien Emerson Fittipaldi qui va remporter cette 73e édition. Inutile de vous dire que c'est évidemment la désolation la plus terrible chez le clan Unser, avec Shelly Unser, sa femme, qui est en larmes. Et puis, bah, on voit surtout qu'une fois qu'il est sorti de sa voiture, Alan Surge Jr. Se met au bas du speedway, au niveau de l'herbe, mais vraiment là, au niveau de la piste, et attend le prochain passage d'Emerson Fittipaldi pour bien lui montrer qu'il n'est pas du tout content de cette histoire. Et donc il y a un geste que l'on devine hein, à la télévision de dépit terrible pour Alan Surge Jr. Oui, on est obligé de compatir pour Alan Surge Jr., ça c'est sûr, qui se retrouve dans le mur alors qu'il ne restait plus qu'un tour et demi et qui avait peut-être fait le plus dur, sauf qu'on revient quand même là-dessus, c'est évident qu'il était en train de se faire doubler de nouveau par Emerson Fittipaldi et qu'il avait un petit peu loupé le coche avant. Le fait est qu'évidemment il y a une controverse tout de suite qui éclate et beaucoup se demandent si Emerson Fittipaldi quand même n'est pas un petit peu responsable. Alors la télévision américaine, de manière assez honnête, montre beaucoup de ralentis dans la foulée de l'arrivée et on voit clairement que Emerson Fittipaldi est à l'intérieur mais qu'il a du mal à complètement conserver sa trajectoire intérieure, donc c'est vrai qu'il a tendance à remonter légèrement sur sa droite et que donc il a tendance légèrement à aller au contact d'Alan Surge Jr., lequel tient globalement bien sa ligne. Mais on ne peut pas dire que c'est un attentat d'Emerson Fittipaldi. Moi, je vous avoue que en direct, puisque j'ai vu donc cette course, c'est ce que je vous disais en ouverture,
Sur le moment, effectivement, j'ai accusé un petit peu Emerson Fittipaldi d'avoir mis son adversaire dehors. Oui, c'est un petit peu l'impression que ça nous donnait parce qu'il était à l'intérieur et qu'il dérive légèrement sur sa droite. Et donc, le pauvre Allensurf Jr., qui lui veut résister, est touché. Donc, c'est très cruel, ça c'est sûr, pour Allensurf Jr. C'est peut-être même injuste, mais c'est pas complètement illégitime ni illogique aussi pour Emerson Fittipaldi compte tenu du déroulement global de la course, puisque au bout du compte, Emerson Fittipaldi a quand même mené 158 tours sur 200. C'était quand même lui l'homme le plus fort ce jour-là. Donc le fait qu'il gagne, même si c'est un petit peu dans la controverse et un petit peu dans la douleur, on ne peut pas crier au scandale. Et puis bah, on le sait maintenant avec le recul, Allensurf Jr. gagnera bien Indianapolis deux fois par la suite. Donc au moins pour lui, tant mieux. Mais ce jour-là, c'est sûr qu'il l'avait très très mauvaise. Un Brésilien a gagné Indianapolis et c'est la première victoire d'un non-américain depuis bien longtemps, figurez-vous. Fittipaldi qui devance finalement Allensurf Jr. Hein, qui est quand même classé deuxième. Raoul Bezzel est classé 3e, Mario Andretti classé 4e et Edgy Foyt 5e. Donc pas mal hein, quand même quand vous avez dans le top 5 Fittipaldi, Unser Junior, Mario Andretti et Edgy Foyt. Fittipaldi qui au passage signera 4 autres victoires dans cette année 1989 en kart. Ce sera donc bien lui le champion de l'année qu'il fera coup double. À la fois donc vainqueur d'Indianapolis et champion de la saison en kart. Et puis, bah, on le sait, il gagnera aussi une deuxième fois Indianapolis en 1993. Troisième victoire à l'époque aussi pour le Patrick Racing à Indianapolis, qui avait gagné deux fois déjà avec Gordon Johncock en 1973 et en 1982. Et donc cette équipe qui ensuite deviendra à la fin de l'année l'équipe Chip Ganassi Racing. On peut aussi dire, pour conclure au niveau des petites anecdotes, que Emerson Fittipaldi devient le premier pilote de l'histoire d'Indianapolis à gagner plus $1 million de prix par rapport à sa victoire et aux différentes primes bonus. Voilà, donc histoire un petit peu de compenser eh bien, la non-présence pour l'instant de l'édition 2020 de l'Indy 500. Voilà, je vous ai raconté Indianapolis 1989 et vous avez vu que c'était effectivement une édition assez passionnante. Mais évidemment, on a hâte de se retrouver au mois d'août en espérant que tout se passe bien et que Simon Pagenaud puisse bien défendre sa couronne, lui le français vainqueur d'Indianapolis en 2019. Merci de votre attention. Donc l'After Lab, bah, vous le savez, c'est le podcast du sport auto. C'est un épisode nouveau toutes les semaines. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous la semaine prochaine. Salut à tous, merci.